Mission 2, le Cliffhot. Ok. Comment c'est? J'ai vu aussi que les difficultés, on pouvait pas prendre plus haut que chasseur de démons. Il y avait en humain et puis chasseur de démons. Mais d'habitude, tu finis le jeu et puis t'as plein de difficultés qui s'ouvrent. Toujours comme ça dans ces jeux. Oh, c'est trop bien, je peux sprint. Gotta go fast. Alors vite fait, le truc de la caméra qui suit des trucs chelous, c'est trop chiant. Caméra focus, non. Laisse-moi faire ce que je veux. Alors, c'était pas un truc qui partait sous le sol et qui allait derrière moi, je pensais. Waouh, il y a des gens qui sont pétrifiés. Oh, désolé. Peut-être qu'on aurait pu les sauver en les gardant. Oh, oh. Je les touche, ils meurent. Peut-être qu'on aurait pu les dépétrifier par après. Il semble que non. J'aime pas les ballons, on les casse tout. Merde, j'essaie de tirer sur les ballons. Réussis pas à tirer sur le ballon. T'as ce ballon. Ok, c'est trop dur. Des connards. Note de style, la variété de vos combos détermine les points de style que vous obtenez et la note de style affichée à l'écran. Les notes de style influent votre score en fin de mission, alors battez-vous avec classe. Putain, c'est je crois le principe du jeu que j'ai le plus aimé dans toute ma vie. Juste parce qu'il y a ça dans le jeu, je trouve ça tellement stylé. Nice. J'ai presque maintenu le A, mais j'ai un peu galéré. Ça va me venir avec les doigts. Par là, je peux sauter. Oh oui, combien de fois j'ai pas fait le 3. Mais le truc c'est que en tout cas pour moi, de nos jours je joue plus trop au jeu en mode je vais le refaire un milliard de fois. Je vais quand même le faire pour le game, mais je sais pas si je le ferai plus que ça. Merde. Quoi ça? Démonite dorée, pierre magique dorée créée selon une méthode secrète capable de raviver toutes les forces d'un guerrier tombé au combat. Ah d'accord, c'est le truc qui permet de rester si je meurs. Nice. Mais genre quoi, quand tu meurs, t'as un menu qui te dit voulez-vous utiliser une dynamite dorée, enfin démonite dorée. Moi je suis pas trop envie d'en utiliser, si je meurs tant pis, c'est pas grave. Ça me dérange pas. Autre chose qui arrive.
Un bras. Fuck that shit. Moi je vais par là, coup. Et le mec. Ah ça va, il y a des mobs qui se font pas propulser. Du coup tu peux t'amuser à les taper. Plus de PV ce truc. Regardez, y'a moyen de passer par là. Je croyais que vous allez m'avoir. Nice. Regardez, la lumière est partie quand j'ai voulu les taper. Comme s'ils sentaient que j'allais leur défoncer leur race. Qu'est-ce qui se passe? Pégase. Gros kick. Hein. Ça pète derrière et tout parfait. Soldat faucheur. El Kaina. Ça passe. On a eu un petit A. Je voulais juste faire un dash vers la fin, vers le sol, mais il est mort avant ce con. Et pour l'instant, tu sens que, je sais pas pourquoi, mais en main, je sens que le personnage il va pas exactement là où je veux aller. Et c'est un peu dommage. Mais à force de débloquer des capacités, je vais pouvoir faire des trucs beaucoup plus intéressants. C'est ça le truc. Déjà de base, faut dire que le sprint est même pas débloqué. Du coup, pour imaginer comment il faut acheter des compétences. Du coup, ça va très vite passer ça. Ah, j'ai déjà un bras. Je le pète. Il trouve un bras, il casse son bras pour en prendre un autre. Avec la participation de DMC Crew. Oui, c'est bon, j'ai compris. C'est pour le bras, merci. Il y a des mecs qui ont pop, je les ai pas vus. Merde. Pète tout, hein. Le mobilier en premier. Ah, ils sont les mecs qui ont pop, ils sont là. Mais reviens ici. Out of the way.
il est bugué lui. Faut pas charger le coup de base. Ah mais pourquoi le style descend et un autre mob a tué? C'est quoi cette arnaque? Il est où? Il est là! Ah mais mon style, il est parti le connard, du coup je... On va aider hein. Pas grave. On va se faire baiser. Mon style! Putain, il est stylé lui. Lui il peut dodge de manière plus stylée. Nous on fait des roulades là, on a cru que c'était Dark Souls. Il a l'air tellement blasé mon perso en mode. Ok, je suis tombé. Faut remonter si tu veux. Peut-être de monter sur cette petite plateforme juste pour faire chier au jeu. Yes! Et ça, c'est vraiment juste pour faire genre, ça sert à rien. Ça se bloque. On peut sauter dans le vide là? Non, le mur est bloqué. Enfin, il y a un mur invisible. Cette fente démoniaque, examinez. Larve de Nidog. Oh. Oh, le mec qui a fait la texture de ce truc, il a dû kiffer. Hein. Tiens, mange ça. Ouf, faut pas mettre ça dans le. Oh. Oh, t'imagines, tu utilises ça comme tampon. Oh t'es pas bien. Oh t'es pas bien. Pourquoi ils ont mis ce genre de porte? À quel moment ils se sont dit ah ce serait parfait. On fait des vagins démoniaques avec des petits insectes, tu les mets dedans et le vagin est pourri. Yes, meilleure idée. Ces deux chaises. Je crois pas qu'un seul joueur soit passé à côté sans les taper, c'est impossible. C'est impossible. Ouais, le prochain objectif. Maintenez LS si vous perdez pour orienter la caméra à votre prochain objectif. Comment ça? Ça marche pas? Il y avait écrit non disponible mais j'ai pas fini de lire. C'est peut-être non disponible en Human Hunter. Et dans la difficulté dans laquelle je suis. Mais c'est dommage que ça aurait été pratique pour savoir là où faut pas aller justement. Moi j'aime pas aller vers l'objectif. Toujours aller là où il y en a pas, où l'objectif est pas encore là. Putain trop stylé. Tu vas pas kiffer, frère. Des combos comme ça, c'est cool. Non mais j'ai envie de recharger, de préparer une... Voilà. Mais... Ah ben.
pas sûr comment tu fais pour les recharger sans qu'il tire et qu'il a déjà les balles qui font plusieurs hits préparés. Je sais pas. Il semblerait qu'on puisse aller par là, mais encore un étage où je peux monter, non? Ouais. Oh, trop stylé la manière dont il fait demi-tour. Il y a un vagin par là. Du coup, on va monter peut-être. Ah, bloqué. Des deux côtés. Ok, nice. Par là, c'est Poolpax. Et ça là. Ah mais ne le remontre pas comme ça. C'est bon, il n'y a plus besoin de nous le montrer là. Où est l'ennemi? Là. Ça fait trop plaisir ce jeu. Quand tu commences à l'avoir en main là, ça c'est pas mal. Surtout que tu peux tout casser. Bon, à part cette armoire. Dès que je dis ça, il y a un truc qu'on peut pas casser. T'sais. J'adore casser les trucs dans les jeux vidéo. Très important de pouvoir laisser libre cours à sa destruction. Pas regarder. Faut surtout s'écarter là. Y'a toute la partie dégueulasse qui me tombe dessus. Gauche. Ouais, la télé. Télé. On peut pas la casser. Parfait. Là c'est d'où je viens. Il y a vraiment juste par là où je peux aller. Ah, je m'attendais à ce qu'il y ait un mur démoniaque qui m'empêche de passer. Mission secrète. Au cours des différentes missions, il vous arrivera de trouver des mystérieux motifs gribouillés sur les murs, le plafond et le sol. Placez-vous sur le cercle incandescent et à proximité et ajustez l'angle de caméra pour que les motifs coïncident et forment un symbole complet qui ouvrira un passage vers une mission secrète. Vous recevez des récompenses en menant à bien les missions secrètes. Une fois découvertes, chaque mission secrète peut être jouée à volonté depuis le menu principal. Parfait. What the fuck? En fait, faut que je... Ah, mais c'est de là, en fait, qu'il faut que je regarde. Yes. Il y a eu activé. Voilà, activé mission secrète. Éliminer tous les démons. Pas compliqué. Cette main avec une langue, trop stylé. Putain.
Yes. Fragment de démonite bleu, fragment bleu d'énergie vitale cristallisé réunissant 4 pour créer un cristal de vie qui augmentera votre jauge de vie. Yes. Complété. Des fois, à chaque fois, je fais le dash vers eux et ça les projette, c'est tellement chaud. Nidhogg est partout, c'est ça. C'est vrai que Nidhogg est partout. Pour tous nous casser les couilles. Qui fait pas des boules de feu de forme en croix, c'est bon. Ah, ça a l'air d'être par là. On y va pas. J'espère que c'est fluide et en bonne qualité quand même sur le stream. J'hésitais à faire en 1080p en plus. Et je me suis dit, on va laisser 900. Ce qui est bien avec le dash par contre c'est que ça les cancel et ça c'est bien. Des fois j'appuie sur rond avec, avec le grenaille, je sais pas trop ce qu'il fait. Il me projette, il fait une explosion, mais après en l'air, faut pas que je tape parce que sinon je suis dans la merde. Mieux vaut que je fasse un tir de flingue. Là je peux faire un tir pendant que je fais une roulade. Je voulais essayer de cancel le tir avec la roulade, comme ça il le fait pas, mais... Si je vide, il recharge automatiquement ou pas? Ah non, parce que j'ai des balles à l'infini, c'est... Là c'est les balles... Mais quand je vais relâcher, il va tirer. Et oui, c'est ça. Mais putain, il fait chier, il peut pas ne pas tirer. En fait, je peux pas préparer 3 charges de balles trop puissantes, vu qu'à chaque fois il en tire une pendant que je les précharge. Il faut que ce soit un opener. Opener. Putain, on dirait un cœur géant. Alors bon, une tour, enfin un arbre. Non, mais regardez, à chaque fois ça revient tout seul, c'est trop chiant, tu peux pas faire des plans, mais c'est pas possible, pourquoi ça revient? J'allais désactiver toutes ces conneries. Non, centrage non. Indicateur de verrouillage. Ouais, le verrouillage, je veux bien qu'il soit indiqué, mais... Non, non, c'est juste la baise. Ah, je peux provoquer les gens? Merde. Comment je fais? Ah oui, avec ça. Il a qu'un seul bras. Il provoque les gens. Complètement possédé. Merde, je peux pas monter. Putain, merde. Putain, mais vraiment pour m'empêcher de monter par là, quoi. Bande de gamins. Putain, mais c'est chiant parce que moi, quand je tape, j'incline toujours le joystick dans la direction de l'ennemi que je tape. C'est un truc que j'ai l'habitude de faire. Et du coup, vu que direction en avant et attaquer, ça fait une attaque spéciale, c'est trop chiant, faut que je me force à pas appuyer sur la touche avant.
Vous imaginez pas comment c'est chiant quoi. J'ai même tapé en dirigeant le stick là où je tape, je sais pas pourquoi. C'est... pour progresser quoi. Pour sentir que mon perso il avance en tapant le mec. Mais il faut pas. Ok, faut que je trouve un insecte. Je me dis qu'il y a pas une roulade. Oh là là, c'est chaud. Tellement dommage. Oh, encore cette chiasse. Pas monter plus haut là. Oh. Un autre bras. Fuck me, man! T'as un quoi, lui? T'es empoisonné, ça. Bourreau Hacheur. Hell en Antenaror, quelque chose comme ça. Mort! Mais j'étais dans la fin de l'animation du truc, je peux pas. Merde, je vois rien. J'ai essayé de faire le dodge au dernier moment. Profitons-en. Merde, c'est pas du tout de. Ah blah! Pas du tout au dernier moment ça. Pas si c'était ça, mais le tir en tout cas c'est moi qui l'a fait et le coup aussi en fait. Non, ça n'a rien à voir avec le truc. On n'a pas vu l'effet la caméra. Et je jure, la caméra elle est dégueulasse par contre. Et mais encore aujourd'hui les caméras c'est trop compliqué pour les jeux vidéo. Et là, écarte-toi, ça va vomir. Au secours. Que bon, déjà dans le 3, quand j'ai croisé Marie, là, j'étais full de sang. Et elle m'a mal parlé, alors on va éviter de puer. Hein. Ça, si on croise une meuf, elle nous parlera pas mal. Parce qu'il y a un kayak dans le texte stylé ces trucs. Ah, ça y est, j'ai envie de rejouer au 3. Téléphone. Certains. Hein? Comment ça se téléphone? Certains téléphones sont encore en état de marche. Interagissez avec eux et vous pouvez peut-être passer un coup de fil à une amie. D'accord. Ah, mais genre. Genre la mécano. Oh, personne n'a envie de lui parler à elle. Bon, c'est pas grave. Allô? Allô? C'est genre pour une upgrade. Appelez Nico. Vous pouvez appeler Nico pour lui échanger des démonites rouges contre des aptitudes ou des objets. Chaque téléphone que vous trouverez est une occasion de l'appeler. Très bien. C'est le magasin quoi. C'est le RP du magasin. On va check s'il n'y a pas un meilleur déplacement à avoir, un truc intéressant. Genre, il n'y a pas un dash. Non, ça on s'en fout. Provocation EX. Ça permet de provoquer tout en augmentant la note de style et la jauge EX. Attraction. La distance depuis laquelle les dominants viennent à vous. Ouais. C'est pour plus tard. En l'air, appuie sur un ennemi pour sauter à nouveau. Hein? Remontre.
Double saut, c'est bien. Fire Snatch améliore une offre une plus grande allonge. Il me le faudra. Developer 2. Et dans n'importe quelle direction. Mais j'aimerais bien pouvoir esquiver en avant en fait. Parce que quand t'esquives en avant, il saute. Mais là, c'est obligé après. Après un developer quoi. Du coup, en fait, t'es baisé. H24. Tu peux pas esquiver en avant, tu peux pas dash dans le jeu. Merde, je voulais pas quitter. Je croyais que j'étais dans un sous-menu. This bad man. J'ai envie de les refaire tous. À moins que le 3. Hein. 3, c'est le meilleur. Un chemin de coups infligeant d'importants dégâts au malheureux qui se trouve sur son chemin. Que je suis deg. Je suis deg qu'il n'y ait pas un dash en avant. C'est un truc de fou. Ça coûte rien, vas-y, je vais l'acheter juste pour le fun. Attendez. Oh. Ouais, KSP non reconnu, comment ça? Arrête! Au secours! Attendez. Mais. Pourquoi? C'est de la merde! Ça rend de la merde. À peu près tout dans ma vie. Attendez. Hein. En plus, dès que j'ouvre des SK Twin Tow, j'entends des crépitements dans le son. Je sais que c'est de la merde. Bref. Mais il est sérieux ce jeu? J'ai bougé 2 secondes hein, et c'est terminé. Mais... c'est un truc de fou. En plus c'est un nouveau câble que j'ai, c'est juste que c'est de la merde. Bref. Ça remarche, ne nous énervons pas. Sinon on va tout casser. On arrive où? Ah mais... même moi je peux le faire ça. Ah non, il est dedans. Je croyais qu'elle l'avait bouffé puis qu'elle était ressortie. N'importe quoi. Oh il est gros. Il serait stylé dans Berserk. You're a big guy and all, but you seem more like a knuckle scrapping fart in the wind than anything else. Yeah, no offense. Do you know who I am? I shall show you the wrath of the
Ça va, David, il t'a déjà niqué, toi. Ça va être easy. Ça va cracher. Cool trick. Hey, do you do parties? Ok, let's go. Yeah, maybe I will. Sorry, I'm about to kill you. On lui fait les jambes. On va recharger les balles. Je dodge ça. Ouais, il a niqué tout le sol. Non mais pas avec les murs. Ah mais lui tirer dans le bras ça le nique. Oula. Elle a l'air plus motivée que d'habitude là. J'ai plus de bras. Pas de bras, pas de chocolat. On recharge. Je sais pas où je suis. Il m'a bouffé en fait. D'accord. J'avais pas compris ça comme ça moi. J'aurais peut-être dû être loin là. Ah bla, j'ai pas moyen de me soigner là, je suis dans la merde. Comment ça? Démonique rouge. Utiliser une démonique dorée pour continuer le combat. Une démonique rouge pour continuer le combat. Non, non, je recommence. En fait, je suis obligé de refaire toute la mission, je comprends pas. Pas refaire juste le combat. Juste envie de voir comment ça marche. Parce que moi, j'ai bien envie de refaire le combat, tu vois. Mais je sais pas si c'est toute la mission qu'il faut refaire. Dernier checkpoint. Et à checkpoint, c'est quand j'ai appelé à la cabine, du coup c'est bon. Je peux refaire la P1 et la P2 sans faire toucher. Bah oui, voilà. Putain, mais par contre, faut se faire chier à travers tout ce menu à chaque fois. C'est pas dingue. Hein. Oh, me tape pas la cinématique. Si. On peut la passer. Oui. Oh putain, ça aurait été horrible. Ça va, ça. Ah mais je suis même pas full vie. Merde. Oh putain mais les patates elles mettent mal en plus. Dans le cul la balayette.
grave. Jack it up all you want. Merde. Merde. Faut pas que je me fasse aspirer. Au secours. Non, mais je me fais aspirer malgré moi, non. Mais non. Mais... Ah ok, j'ai pu exploser la main pour fuir. Dans la merde. Je vois un truc de vie là-bas. Faut que j'aille le chercher. Merde. Merde. Je voyais un truc de vie en plus. Bon, attendez, comment ça se passe? On va utiliser ça. Ensuite. D'accord. C'est des genres de fioles de PV, quoi. En gros. Du coup, ça va. Je pensais que ce serait un prix de fou et que du coup c'était genre pay to win, mais en fait pas du tout, c'est juste que vu que tu peux pas récupérer tes PV pendant que tu combats, ça te remet genre mid life, des conneries comme ça. Ça va. J'ai cru que c'était pire. Bon, je vais réessayer, sinon je prends des PV. J'ai vu dans la P3 près de la tour un truc de PV. Ouais, essayer d'aller récupérer. Merde, par contre si je prends des coups dès le départ, c'est chaud. Ok, là il m'a juste hit stun. Mais. Moi je vais dehors direct hein. Je vais essayer d'aller prendre le truc de PV, mais je peux pas toucher la caméra. Il était par là. Nice. Mais il est full vie. Ce DPS inexistant. J'envoie un autre truc vert près de la voiture. Ok. Si besoin, je peux aller en refaire un. Merde. Ok, mais ses bras font beaucoup. Il prend beaucoup plus cher sur les bras. C'est bien comme j'avais dit. Faut pas que j'hésite à taper ses bras. Ah
Et sur sa tête aussi. Merde. Let's go, prends des PV. Au secours! Oh, j'ai dodge. Au secours! Au secours! Elle est où? Elle est où? Là derrière cette voiture. Merde, je pensais pas que ça pèterait le truc. Faudrait peut-être que je tape sa tête, mais bon. Crève, connard de merde. T'as ce vieux dé. Le piaf, c'est vrai. Oh, ça doit faire mal ça. I was gonna have to pick you out of his tummy teeth. Pardon my delay. I was catching up on some reading. Yeah. Looks like a real page turner. So
Think Dante's still in there? If Urizen defeated him, then I expect he's not much more than Glyphod pollen by now. A what? Glyphod. It's a tree that grows in the underworld. It thrives on human blood, and those whose blood it sucks, well, let's just say they don't turn out too well. Well, in any case, we need to find out. If Dante's alive, we'll save him. If not, we don't. Wait. First, we need to exterminate some Glyphod roots. V, what the hell are you? I know I'm late, shut it! The roads were all clogged. Hey, you must be V, huh? Hey, you gonna get that? Ding, 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 right by your feet. Ooh-wee. I'm gonna make something amazing out of this. Did you just sniff that? Do you have any idea where that's been? Up your butt? Focus on the mission. Comme boulet. Même si eux ils veulent nous dire badass là, on n'y croit pas. Parfait. C'est bien ça en plus dans la mythologie, le Clifford ou je sais plus quoi, le nom de l'arbre. Bel et bien quelque chose qui pousse. I think we should split into two groups and cover more ground. Good idea. Tête de microbe de l'oubli. Behold my genius. Cash first. All the materials I collected for your little pet projects don't count for anything. My brilliant badass work is worth every dime, you know it. Well, your quality control sucks ass, and you know that. Or maybe don't let the demon smack you around so much. Whatever. I am truly gifted. It's a work of art. Oh, so you're an artist now, huh? Yes, I am. Got any questions, little chicken? My grandmother was called the 45 caliber virtuoso, legendary gunsmith. I hope to be like her someday, an artist and a lethal artisan. Everything I create is art, whether it's a gun or a steel pot to cook birds in. Any more questions? Huh? Little cheeky. I'll take my leave now. And if I don't see you along the way, I'll see you at the bottom of the Clifford. Sure. What are you gonna do? I gotta shake the cobwebs out. I'll let you know. Hey, you got any more questions? Better ask it now. I can't read minds. Ooh, well, yeah. Ok. Mission 3 chasseurs volants. Commencer personnalisé, menu principal. Donc on va à droite, on voit les ressources que j'ai. J'ai 15 sur 4 pour les cristaux de trucs, 25 000 $. On va check personnalisé. Toujours un petit chargement. Yes. Elle va donner le bras qu'on vient d'avoir en fait, c'est tout. Point fulgurant. Ah non, j'en ai deux autres. Il rappe, hein. Pardon. Punchline. Ce Daybreaker permet de porter de puissantes attaques et des coups à point, des coups de poing à réaction. Il peut même servir à se déplacer. Ok. Daybreaker compense sa faible portée et sa capacité perforante utilisée pour casser la garde des ennemis. Bon, on va prendre les deux là pour.
J'ai un hydrogène dans chaque délivreur actuellement disponible. Du coup c'est... Ah ouais bah c'est... Ouais ok je vois. Puis ça va plus vite et ça coûte 2005, du coup c'est le prix des 3. T'en as 3 donc 1005, 2005 quoi. Faire un set de plus. Et je sens que je vais bien aimer ce truc là, du coup je vais faire un set où il y a que ça. Je vais équiper celui-là. Comment on fait pour équiper? Ah comme ça. Démonite bleue. Et genre si j'en achète une, ça m'en fait une sur une, ça m'en fait 2 sur 4 du coup. Ça doit être ça. Double saut, on peut acheter le double saut direct. On peut acheter le double saut direct. Juste histoire de... C'est pas déjà fait. Y'a pas des combos de dingue. Celui-là est un peu plus long, mais j'ai toujours pas utilisé ce combo d'ailleurs. Cure plus. Ah, mais c'est vrai que j'aurais pu acheter ça. C'est pas grave.